Le ministre qatari des Affaires étrangères lors de sa visite dimanche à Tripoli, reçue par les officiels libyens. Au cours d'une conférence de presse animée par son homologue libyenne, Najla Mangouche, cette dernière a fait part de l'empressement de son gouvernement à voir ouvrir l'ambassade de Doha dans son pays. La ministre libyenne des Affaires étrangères a salué l'engagement et le soutien de l'émir du Qatar aux efforts de reconstruction de la paix en Libye. Nous saluons le rôle de l'État du Qatar et ses positions dans le soutien aux Libyens depuis le début de la révolution libyenne en 2011. Nous remercions l'État du Qatar, le prince, le gouvernement et le peuple pour leur soutien apporté au Conseil de la présidence et au gouvernement d'Union nationale. Nous avons discuté de divers domaines de coopération. Il s'agit de soutenir la phase de transition à l'heure actuelle et de fournir des services auxquels le peuple libyen aspire. Il a été également convenu de former des groupes pour évaluer les accords entre nos deux pays et également rechercher des opportunités pour fournir un soutien et une meilleure coopération à nos frères en Libye. En novembre 2020, le Qatar et la Libye ont signé un protocole d'accord pour renforcer leur coopération dans le domaine de la sécurité.